Petits chats d'amour, les petits chats de love, les petits amours, c'est l'heure d'aller sur Adopt Me pour voir un petit peu les nouveautés avant de switcher sur Dress to Impress. Voilà, je vous spoil pas, mais on va faire un tour un peu. En premier, petit Adopt Me, parce que ça fait longtemps, du coup, je sais pas trop c'est quoi les mises à jour, qu'est-ce qu'on a comme bébé, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on va nous vouloir nous faire payer encore. De toute façon, on n'a plus de Robux, donc on peut plus rien payer, au moins c'est fait. Mais je me demande. Oh! Adopte le toutou Glormy avec des éclats galactiques. Nouvel accessoire pour compagnon spatial. Le casque galaxie. Débloque la sautrale. La saute astrale. En terminant les tâches. La saute astrale. C'est une blague. Attends, qu'est-ce que la saute astrale? Satisfait 5 besoins de ton compagnon. Utilise une potion de maturité. Bon, on a qui là? Oh bibiche! Toi vraiment, tu peux pas te passer de ta mère 5 minutes, t'étais dans le dos d'Oun. T'étais bien, on regardait notre petite série ensemble. Je t'ai laissé faire ton petit dodo. Et quand je vais dans le bureau, faut que tu viennes dans le bureau. Oui. T'es un sacré salsifié hein, quand même. J'ai des œufs à faire éclore, on va s'occuper des œufs. J'ai 2 petits œufs fendus qui se sont perdus. Mais c'est super parce que mon œuf n'a besoin de rien. On va aller au centre-ville un peu, on va voir s'il y a des gens. Parce que là, je dois 5 besoins. Ah, et bien évidemment. Oula, c'est déjà Halloween ici? Apparemment. La douche. Hein. Vraiment quoi? À la minute, à la seconde où je me dis vas-y, on bouge, c'est l'heure de la douche. J'ai une douche préhistorique ici ou pas? Je crois pas que j'avais pris la douche préhistorique. De toute façon, j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes nulle part là. J'ai plus de Robux, j'ai plus de thunes dans le jeu. Mais je crois qu'on a une baignoire ou une douche en bas. Voilà. J'en baille. Est-ce que ça me fait un truc, là? Ouais, 1 sur 5. Et utilise une potion de maturité. Mais ça, du coup, on verra avec un autre. Est-ce que j'en ai une potion de maturité? Ça doit être ça. Ouais, c'est bon, j'en ai. Ok, bah vas-y, on fera ça. Du coup, faut que je fasse une potion de maturité sur un de mes pets. Plus, bah lui, il a besoin de trucs. Là, il a besoin d'aller à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école, les enfants. C'est la rentrée! Qui a hâte à la rentrée? Oh, attends, il est là le pet, on va le voir. Le toutou. Bonjour. Te revoilà, petit être, que je suis heureux de te voir. Tu es plutôt team chien, parce que j'ai amené le toutou Glormy légendaire pour l'échanger. Il est à toi contre 175 éclats galactiques. Un prix plutôt honnête pour un animal venu d'un autre monde. Remplis ton tableau des tâches et satisfais les besoins de tes compagnons pour gagner des éclats galactiques. Il te reste 2 jours! Ah ouais, mais on n'a pas d'éclats, nous. Ah ouais, on peut les acheter, quoi. Ok. Bah, du coup, j'ai pas d'éclats. Mais ouais. Il est beau, il brille! Encore un truc où fallait farmer qu'on n'a pas fait, quoi. Il reste 2 jours. Je doute qu'en 2 jours, on s'en sorte. Après, peut-être, voilà, je. 2 jours si on dort sur le jeu, quoi. Oh là là, des petits serpents. Il y a des petits serpents qui popent de partout. Bah, moi, mon petit, il est à l'école, là. Sit, pow, roll. Bienvenue à ceux qui arrivent. Merci pour le follow. Je rentre en seconde. Ça va, c'est pas trop le stress? Je trouve que c'est le stress, mais quand tu changes d'établissement, sinon ça va. Genre quand t'es au collège et que t'arrives en sixième, c'est le stress. Quand t'arrives en seconde, c'est un peu le stress. Parce que forcément, tu changes d'établissement. Tu sais pas qui tu peux avoir comme prof ou quoi. Donc t'as un peu ce stress d'emploi du temps, de savoir si t'auras des gens que tu connais dans ta classe ou pas, etc. Après, une fois que ça s'est passé, ça va mieux. Oula! Quelle est cette bestiole? Il y a une dame papillon, là. Il est où, mon œuf? Ah, il est là. Je me disais, où est-ce que j'ai mis mon œuf? Après, la troisième, oui, ça peut être un peu stressant, parce que t'as l'examen à la fin de l'année, mais bon. Si tu travailles normalement, il n'y a pas de souci. C'était quoi, ça, déjà, cette île-là? Ah, c'est une maison. Ah, ok. Oh, il y en a, ils ont installé leur baraque au centre-ville. Mais la vie est douce. Oui, forcément, terminale aussi, il y a un petit stress. Mais je pense que c'est pas le même type de stress. Genre, t'es pas stressé en début d'année, t'es plus stressé en fin d'année quand tu te dis « Mince, en fait, j'ai peut-être pas révisé tout ce que j'aurais dû réviser et j'ai peut-être pas bossé comme j'aurais dû bosser. » C'est peut-être plutôt ça, le stress, que l'année en elle-même. L'année en elle-même, bon. Ouais, c'est ça, c'est plus le bac et surtout de savoir ce que tu vas faire après parce que le bac, en soi, c'est une épreuve. Tu l'as pas. Mais c'est surtout après de savoir à quelle école tu vas être accepté
pour quel parcours, etc., etc. Moi aussi, j'ai ma rentrée, hein. Moi aussi, je stresse. Je sais pas quelle classe je vais avoir. Je sais juste que je suis la plus vieille du groupe. C'est tout. Je sais juste que je serai la grande sœur du groupe. Mais je sais pas qui sont les autres élèves. Je sais pas comment va se passer mon année. Je sais pas si ça va me plaire, parce qu'au final, être soignante, etc., j'avais fait un stage dans le milieu. Mais là, le bien-être... Alors, je sais que j'aime, hein, j'aime les soins du visage. Je voulais faire du microblading, moi, à la base. Mais là, du coup, je suis pas dans du microblading, je suis dans du massage. Je me dis, masser son petit copain, masser sa meilleure amie, masser sa cousine, c'est pas pareil que masser des inconnus, et c'est pas pareil que suivre un protocole. Et je me dis, bon, est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que je suis en train de faire la plus grosse erreur de ma vie? Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est tout ça, quoi. Hein. C'est tout ce stress-là... Est-ce que je vais réussir à retenir des protocoles qui durent une heure? Est-ce que je vais pas oublier des trucs en plein milieu? Est-ce que je vais pas stresser? Voilà. Hein. Bon, après, je sais que j'aurai mes petits abonnés pour vous raconter mes petits déboires et mes petites aventures, heureusement. Heureusement que vous serez là pour ça. Où sont mes œufs, là? J'avais un œuf, je l'ai perdu avec vos bêtises. Je me suis retrouvée qu'un dinosaure, c'était pas prévu. Ah, ils sont là. Je crois que c'est pas le bon œuf. Non, j'ai pas pris le bon. C'était l'autre. Ah, voilà. Ah, c'est ça là, les éclats. Ok, donc j'ai un petit truc avec des éclats. Salut Simba. Ben c'est ça, il y a beaucoup de questions. Je sais que déjà, une fois que le 5 sera passé, que j'aurai vu ma classe, que j'aurai vu ma prof, qu'on nous aura expliqué un peu comment ça va se dérouler, peut-être que déjà je serai un peu moins stressée. Après, ce qui va être énormément stressant, ça va être mon début de stage aussi. Forcément, les premiers jours de stage, ça va être l'angoisse. On commence à bien voir la démarcation là. J'ai des mèches. J'ai pas de mèche. Mes cheveux naturels. J'ai ça de cheveux naturels. Je peux me raser la tête si je veux. Je peux me couper ça de cheveux et j'aurai mes cheveux naturels. Pourquoi j'ai un gâteau? Qui m'a donné un petit gâteau? Tiens. Tiens, mon pet, nourris-toi. Salut, Louison. Merci, Marion, pour le follow. Merci, Emma. Bienvenue. Ça fait trop plaisir. Ouais, c'est bien, ça, d'avoir des stages et tout. Tomber sur des petites entreprises sympathiques. Hello, Sky. Je vais essayer, ouais. De toute façon, c'est toujours ça, hein. La vie, c'est ça. Hein. Faut faire de son mieux. Oh, regardez le petit galactique. En vrai, il fait pas chien. J'ai l'impression que quand tu le regardes comme ça, il est entre chèvre. Entre chèvre, mouton et... Entre... Comment ça s'appelle? Ouais, chèvre, mouton et... Ah ouais, Rosa, elle l'a eu. Bon, bah, Rosa a fait péter le... Rosa a fait péter le chien. Le Glormy. Par contre, Glormy... On est d'accord qu'ils auraient pu lui trouver un autre nom que Glormy. On va pouvoir l'observer d'un peu plus près. Grâce à Rosa. Alors, voyons voir la bête. Ouais, ouais, ouais. Rosa, c'est la gote. La gote du jeu. Alors, voyons voir. En vrai, quand tu te fais chier, tu te chilles sur le jeu, ça va, je pense que ça va vite. Hein. C'est vrai qu'il est incroyable quand même. Mais on est d'accord que ses oreilles, on dirait pas une chèvre. On dirait pas une chèvre. En fait, il a des oreilles immenses en mode il vole. La queue, on dirait qu'ils ont pris la queue d'un renard. Donc ça fait queue de renard. Le tour du cou d'un mouton. Les cheveux d'un mouton. Et vas-y, on lui met deux oreilles et on dit que c'est un chien. Mais je trouve que vas-y, ils auraient pu l'appeler autrement. On dirait pas un chien. C'est un hybride. Ouais, ils auraient dû l'appeler hybride. Ah, une couleuvre. Oui, bonjour. Vas-y, on va essayer de lui trouver un petit accessoire. Ils l'ont appelé toutou, vraiment, histoire de dire, vas-y, c'est un toutou, quoi. Mais non, c'est pas un toutou, je suis désolée. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas un toutou. Qu'est-ce qu'on lui met au petit boogies? Non, la fleur, ça va pas du tout. La corne, c'est trop gros. C'est très flippant. Non. Ah, ça va être dur de lui trouver un truc un peu stylé, hein. Je vais faire des efforts, je vais chercher, mais... Même pas sûr qu'il y ait un truc qui lui aille, hein. Bon, les lunettes, y a pas grand-chose. Un petit collier. Même le petit collier, c'est pas fou. Un petit nœud. Je sais même pas où il est. On le voit même pas. Ah, si. Ouais, c'est... Ouais. Non, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Un petit sac à dos. Une petite paire d'ailes. Et encore, une petite paire d'ailes, c'est... Des petites choses. Oh, des pieds. Oh, c'est flippant de fou. C'est flippant de fou avec des pieds. Oh là là, c'est trop bizarre. C'est immonde. Non, là, le respect est clairement parti. Pourquoi vous faites exprès de vous mettre juste devant, les gens? J'avoue que le petit collier, par contre, pourquoi pas? Il y a un monde. Il y a un monde où le petit collier, ça passe. Par contre, les doigts de pied, vraiment, c'est horrible.
Trop swag. Bah, j'avoue quoi, si c'était pour toi, pas lourd, je lui aurais laissé les petits pieds parce que je sais que t'aimes bien tout ce qui est horrible. Mais là, je peux pas, quoi. Je le respecte vraiment pas, le pauvre. Ça fait vraiment les petits pieds, tu sais, en décalé, là. Pas lourd, de toute façon, dès que c'est du mauvais goût, ça lui plaît. Donc, là, voilà, je vais lui mettre un collier de saucisse. Ça va être là en mode. Oh, j'adore! Oh, merci Mimi pour ton abonnement. Merci pour tes 2 mois. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Tu as évolué. Maintenant, tu as un petit nœud autour de ta clochette. Ah, d'ailleurs, il faut que je fasse des trucs de pète là. Attends, il m'avait dit quoi? Attends. Il m'avait dit de lui donner une potion pour le truc. Et il fallait que je lui fasse 3 ou 4 trucs. Tiens, bois la popo. Voilà, bois la popo. Deviens grand. Deviens grand, Glormy. Glormy, ça me fait penser à Glaire. J'ai l'impression qu'il va se moucher là. Ok, donc ça, on a récupéré. Ça nous fait 150 points. Après, il faut satisfaire 3 besoins et 5 besoins. Donc là, c'est simple. Il a faim. On va lui donner à manger. Tiens, prends un petit sandwich. Il a faim, il a besoin d'une douche. Et apparemment, il y a une fête sur la plage. Voilà, moi, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez aller faire la fiesta sur la plage, c'est là-bas. Et il a besoin d'une douche parce qu'il commence à pas sentir très très bon la rose. Ouais, le nom, je sais pas. Pourquoi Glormy, c'est pour... Oh, c'est quoi ça? Quelle est cette chose? Quel est ce poisson? C'est quelqu'un? Oh mon Dieu, c'est quelqu'un. Mais c'est tellement drôle. J'adore. Oh, il est trop mignon. Non, ça, il y a un flow, il y a un flow. Bon, du coup, tu vois plus ton pet, mais c'est mignon. Ouais. Je sais même pas ce que c'est comme bestiole. On dirait une sorte de petite baleine. C'est pas un requin, hein, je suis désolée. Hein. Il n'y a pas l'aileron. C'est un fake requin. Et après, on ira à la douche. Et 500 points quand même. Par contre, attends, on a fait les trucs que machin et ça m'a pas donné des points. Ah si, ça me donne des points là, mais ça me donne pas des cristaux à chaque fois. Oh! Ah mais c'est nul, moi je pensais que ça me donnait 500 cristaux et je me suis dit ça va aller trop vite. Ok, il y a un casque, une potion, une sauterelle galactique. Ouais, bon, on est là encore demain. À la douche. Ah ouais, non, je pensais que c'était plus simple que ça, là c'est hyper, hyper pas simple. Hein. C'est la guerre. Ouais, j'ai pas compris moi non plus l'idée de la sauterelle galactique, mais j'ai arrêté d'essayer de comprendre Adopt-Me parce que je me dis, il y a un moment, ils ont déjà tellement fait tous les animaux qu'ils sont obligés de nous sortir des trucs un peu chelous, quoi. Et encore, dans le un peu, je suis gentille. Voilà, c'est la petite douche. On frotte. Frotte et lavons, lave et frottons. Ils sont mignons, les petits oursons, en toit de bulles de savon. Je vous jure, c'est dingue, mais des fois, on a des... Comment dire? On a des souvenirs, et moi, j'ai le souvenir de ma mamie qui est avec moi et ma cousine. Et elle est en train de nous faire prendre un bain. C'est les vacances d'été. Et elle chante cette chanson. Et on a mis plein de mousse dans la baignoire. Et on a fait une espèce de montagne de mousse dans laquelle on joue et on rigole. D'ailleurs, ma mamie a pris une photo. C'est peut-être cette photo qui me fait rappeler souvenir. Où on nous voit toutes les deux avec des couronnes de mousse. Et ma mamie m'a chanté cette chanson. Et moi, je devais avoir, allez, 6 ans à ce moment-là. Ma cousine devait avoir 4 ans. Et vraiment, j'ai ce souvenir. Ou voilà, où elle est en mode lave et frottons, frotte et lavons. Ils sont mignons, ces petits oursons. C'est terrible. Et j'ai vraiment cette image et je me dis putain, c'était tellement cool, c'était tellement, enfin voilà, c'était tellement un bon souvenir. Juste un bain. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là en tête. Genre alors qu'il y a des trucs que t'as totalement zappé dans la vie, mais j'ai des trucs et généralement c'est des choses qui soit nous ont marqué positivement, soit nous ont marqué négativement. Satisfait 3 besoins de faim, de sommeil ou d'ennui. Satisfait 3 besoins de fête de plage. Ouais, bon, tu t'en occupes quoi. En gros, juste tu t'en occupes et ça fait le truc tout seul. Oh, merci Mélo, merci pour les sous, merci pour les pets malades. Les pets malades te remercient. La sainte palourde. Oh, la sainte coquille. Merci Elena pour le follow, bienvenue. Oh, merci Rosa. Ah, Rosa, elle paye pour tous les enfants malades. Pour tous ces pauvres pets qui souffrent, le martyr. Oh, la baleine aussi. Ah, oh, merci, merci, Shenzo, merci. Ah là là, on a été régalés par la baleine. Coucou Elena, merci Audrey, merci Maki pour les follow, bienvenue. C'est la poussette. Oui, mais c'est la sainte poussette.
Là où t'as la sainte palourde et t'as la sainte poussette. Oh là 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 là, c'est la thunasse. Ça y est, je suis riche. En même temps, vu tout ce qu'on a dépensé dans cette maison, c'est un peu la maison des abonnés, quoi. C'est un peu la maison du don. Wouhou! C'est l'heure du dodo. Allez, hop, hop, hop. Tout le monde au lit. Purée, mon pet est pas là. J'allais dire je vais l'insulter, mais non, je ne fais pas ça. Je suis une mère qui prend soin de mon animal. Allez, au dodo. Il est où, ce sale gosse? Oh, bah, il y a un dragon qui prend toute la place, là. Ça nous dit qu'il faut aller faire un petit tour au camping. Je vous invite à sortir le papier cadeau. Et let's go au camping. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au camping. Et l'autre, elle habite là. Dans le plus grand des calmes. Après, c'est dommage que tu puisses pas choisir un emplacement ou changer d'emplacement comme tu veux. C'est genre à chaque fois, t'es obligé de rechanger d'emplacement. Bon, bon, bon. M'écrasez pas, madame. Merci. Oula, 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 oula. J'ai failli me faire rouler dessus, là. Oh, j'adore. Trop beau, le... La soucoupe. La soucoupe. Et voilà, on peut s'asseoir. Par contre, il a ce petit réflexe de chien type un peu cocker qui met la tête sur le côté. La soucoupe, tu nous écrases, là. Ça doit pas être facile à piloter, ça. Élise, on sent que t'es en galère, là. On sent que t'as pas ton permis soucoupe. Tu veux faire genre, mais t'as clairement pas ton permis. Oula, pourquoi il y a 12 milliards de soucoupes, là? C'est la fête à la soucoupe? On l'a tous sorti. Grave. C'est la fiesta de la soucoupe. Et là-bas, c'est le carton Harry Potter, là. On dirait la petite voiture, là, de Ron. Allez, c'est l'heure de la douche. En vrai, on va pas s'embêter. Il y a trop de monde, là. Non! C'était un peu trop à la queue le long. On rentre à la maison. Alors. Direction la meilleure douche. Tiens, on va prendre celui-là, là. Le bain pétale de rose. Lui doit être incroyable. Vous savez ce que j'ai envie de faire cet hiver? J'ai envie de m'offrir un cadeau de Noël cet hiver. Voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. Cet hiver, j'ai envie de m'acheter un matelas de bain. Ça coûte une 40aine d'euros. Et en gros, c'est un petit matelas un peu moelleux qui est imperméable. Tu le mets dans ton bain. Et de m'acheter les espèces de petites planches là. Comme ça, je mets le matelas. Je m'allonge dans mon bain. Je tape ma meilleure sieste. Et je me mets genre des petites pétales comme là, là. Des petites pétales, une petite boule de bain et voilà. Et je me laisse friper comme la première des sorcières. Ça, j'ai trop envie de le faire. La petite planche et le petit truc de bain. Bah moi, je prenais beaucoup de bains quand j'étais plus jeune. J'avoue que l'été, je prends que des douches. Mais l'hiver, je kiffe les bains. Donc je sais que quand je vais avoir fait ma semaine, qui aura eu le stage... qui aura eu même le boulot, le machin et tout, je vais kiffer une fois par semaine me dire « Allez, c'est mon moment, je me fais couler un bon bain bien chaud, je mets ma petite... je mets mon petit, comment dire, mon petit fauteuil de bain et je me coucougne. » T'es dans ces cas-là, tu fais ton petit gommage, ton épilation, ton petit soin du visage, ton petit soin des cheveux. C'est genre une fois dans la semaine, tu fais ton gros coucouning, tu vois. Pour après, c'est bon, c'est parti. Parce que comme c'est que des trucs qu'il faut laisser poser, voilà quoi. C'est ça, le masque bien dégueu sur le visage. J'ai trop envie de faire ça. Je pense que cet hiver, je fais ça. Voilà. Pour Noël, je m'offre un matelas de bain avec la petite... Oula, il est malade. Surtout que je sais pas en plus quoi m'offrir pour Noël et tout, j'ai pas d'idée. Ben là, voilà. Je vais mettre ça à la liste au Père Noël. Je vais lui dire, écoute, Père Noël, je te demande pas souvent quelque chose, mais là... S'il te plaît, fais péter le matelas de bain. Ouais, c'est ça, avec le petit sel et tout. La totale. Fais péter le pack. En vrai, maintenant, je vois, hein, en vieillissant, c'est ça qui me ferait kiffer. C'est des produits pour prendre soin de la peau, des soins anti-rides, un bon massage, tu vois. Ce genre de choses. So coming, baby! Mami na mouni mani mimi mami mouni mina. Allez, chute. On a quoi sur la carte? Qu'est-ce qu'on va se prendre? Tiens, un petit jus de fruit, toi t'as le droit. Moi j'ai dit que j'en buvais plus, c'est fini. Allez, bois un petit jus frais, on fait pizza. C'est vrai que dans l'ordre des choses, d'abord tu soignes ton enfant et après tu lui fais manger une pizza. Mais c'est pas grave, on est quand même à la pizzeria, il kiffe. Ah bah voilà, bah super, j'ai une pomme d'or. Ah là là, ça c'est des abonnés attentionnés ça. Tiens, Glormy. Mange ta pop-pomme, ça va aller beaucoup mieux.
Ah bah ça y est, il va mieux là. Il se sent revigoré. Fin sommeil, ennui. On est à 2 fiestas sur 3. Parce qu'on a fait plage, on a fait camping. Bah apparemment la pizza ça compte pas. Ah faut que je save un outfit. Vas-y. C'est vraiment histoire de dire. Hein. J'essave un collier quoi. Fit your pet potion. Ok. Tiens. Ah c'est une potion de soin ça aussi. Ah je savais pas. Fallait que je le fasse. Bon bah un jour quand tu seras malade. Hein. Non pas lourde. Je crois que j'ai un. Je crois que j'ai un cochon. Oh c'est trop mime ça. Vas-y je le mets. Oh. C'est trop rigolo. Voilà elle est bien ridicule comme on aime. Non mais en vrai je crois que j'ai un cochon. J'ai pas un cochon à qui je l'ai mis ce truc de saucisse là. Attends j'équipe mon cochon. Ah voilà. Piggy viens là. Piggy tu mérites. Je ne respecte pas ce cochon. Voilà. Voilà c'est un saucisson cochon. Et imagine là il porte sa chérie autour de son cou et il le sait même pas. Je ris si fort. Et c'est horrible. En vrai c'est hyper barbare. Surtout que j'adore les cochons et que c'est des animaux très sensibles et très gentils. C'est le corps de son papa. Mais c'est encore pire. Tiens, c'est les restes de ton père. Pff, horrible. Horrible. Bah ouais, mais c'est ça en fait qui est terrible. C'est de se dire que c'est un animal qui est trop mignon. Mais en même temps, le saucisson, c'est tellement bon. Après, tu me dis demain, il n'y a plus de saucisson. Je vais pas aller moi-même aller tuer un cochon pour me faire du saucif là. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais c'est sûr que... Si tu me disais, tiens, voilà, ça c'est... J'en sais rien, c'est Piggy... C'est voilà, c'est le petit Piggy, tu t'en occupes, tu le nourris, tu machins. Bon bah vas-y demain on en fait du saucisson, c'est mort. C'est mort, je ne sacrifierai pas mon cochon mais c'est terrible. Après j'essaye de manger moins de viande quand même. Je me dis je préfère manger 2 fois une bonne viande par semaine ou voilà. Sinon je suis plus sur les viandes blanches. Là je crois que depuis 3 mois j'ai dû manger 2 ou 3 fois max de la viande rouge. Donc je fais quand même gaffe. Par contre, oui, c'est sûr, encore du jambon, encore, voilà. Je me verrais pas totalement l'enlever de mon alimentation, parce que pour moi, c'est quand même bon pour mon corps. Mais je fais en sorte de pas en manger tous les jours non plus. Pourquoi c'est la fiesta, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Nourrir. Est-ce qu'on a un petit truc à boire par ici? Potion d'hypervitesse. T'as pas une petite potion, genre... Enfin, non, même pas une potion, en fait, de l'eau. Ah, c'est l'heure d'aller faire dodo. Ah, bah, je suis contente, Kate. Malheureusement, l'ASMR, ça n'a pas plu assez pour que je puisse vraiment en faire tous les jours au quotidien, quoi. En fait, le problème, c'est que les gens, dès que je faisais un live ASMR, me rappelaient constamment que j'étais une youtubeuse Sims, que j'étais une youtubeuse Roblox. Et bah du coup, c'était dur d'arriver à vraiment couper, à faire la part des choses parce que je passais plus mon temps à répondre, pas sur cette chaîne, oui, j'en fais, mais pas ici, oui, j'en fais, mais pas aujourd'hui. Oui, mais pas maintenant. Oui, mais là, je fais de l'ASMR qu'en fait, c'était plus fatigant qu'autre chose. Les gens, une fois qu'ils t'ont collé une étiquette, en fait, c'est compliqué. Sauf si tu pars des réseaux, mais si tu restes sur les réseaux, à partir du moment que t'as fait un truc, les gens, ils te diront toujours, t'as fait un truc, t'as fait ça, et point. Ils arriveront pas à te voir autrement. Merci, super l'écho. Merci, Gossip Girl. Alors, on en est où de ça? 2 sur 3. Donc, il nous faut encore un sommeil, faim ou ennui, et une fête. Non, pas lourd, je me rappelle pas, mais tu vas me le rappeler. Alors, bon, normalement, après ça, on a des sous, là. Le pass galactique, mais on a gagné que 1, du coup. Si on a gagné que 1 cristaux, on va pas aller loin. Hein. C'est 176, je crois, 160. Je sais plus, que lui, il a pris son bain, mais il s'est rien passé, là. Merci. Ou alors, c'est déjà monté, mais... non, bah non. Sommeil, faim, nuit. Ah ouais, donc non. Ça prend pas en compte quand il se lave. Le salon, je sais pas si ça prend en compte non plus, mais on va voir. Sur un malentendu. Salut Noémie. Elle est pas lourde, elle est immersive. C'est pour être sûr qu'on est bien reconnu. Qu'on n'ait pas de doute. Moi aussi, je vais avoir un dragon et dire Dracarys. D'un côté, j'aurais kiffé que le dragon existe. Ou ait existé. Et d'un autre côté, je me dis, bon, on se serait fait défoncer. Le dragon, voilà, hein, je veux dire, en 2 secondes et demie... Il t'écrase un village, il te brûle... il te brûle ta maison, tu peux rien faire. Hein. Alors même si on aurait réussi peut-être, bien sûr, avec le nombre et les stratagèmes à en tuer, ils auraient quand même fait du carnage. Donc c'est comme si aujourd'hui, il y avait des T-Rex. Mais elle est coiffeuse, la dame. Elle coiffe son enfant. Et voilà, vous avez une nouvelle coiffure. MDR. Moi aussi, je veux coiffer quelqu'un.
Ah bah, je coiffe le vide. Je crois que ça n'a rien débloqué encore. C'est pas simple hein, cette affaire. Hein. Il pourrait le faire à chaque fois qu'il se passe quelque chose quand même. Là, on n'a rien débloqué du tout. Pourquoi tout le monde il a des soucoupes volantes? En fait, il y a moyen d'acheter une soucoupe ou de gagner une soucoupe parce que on est d'accord que la petite bestiole qui vient de débarquer, elle était dans une soucoupe. Elle est où la soucoupe? Moi aussi, je veux gagner une soucoupe. Elle est là-dedans? Quelle est là-dedans la soucoupe? Non. Elle est même pas dans le truc des voitures et des cadeaux? Je veux la soucoupe. Monsieur, comment on a la soucoupe? Ok, donc là on est en hiver, il fait froid. Ah non, là il fait soleil. Mais bientôt on aura de la neige. Et dans 2 jours, on aura 2 jours de soleil et 18 jours de canicule. Ensuite 20 jours de soleil, ensuite sera l'automne. Ensuite on aura du soleil. Ok. Merci. Oh le beau cadeau, on a gagné une pizza. Ouais, je vous vois avec vos soucoupes là. Bande de soucoupes. Oh, te revoilà, je suis heureux de te voir. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il me poursuit pour un sandwich. Attends, je le vois plus. Tiens, mange le sandwich. Ouh là là! Ouh là là, Mary! On a le gros cadeau. Ouais, mais il n'y a pas de soucoupe dans les cadeaux! Attends, j'ouvre le cadeau. Attendez, excusez-moi, je ne me vois plus. Attention, je secoue. Je secoue le cadeau. Oh mon dieu, c'est une poussette toilette! Est-ce qu'on parle de ce cadeau? Est-ce qu'on parle qu'on vient de m'offrir des chiottes? Non, mais c'était des toilettes quand même. Ah, une boule disco. Voilà, il y en a qui savent faire la fête. Là, c'est la grosse fiesta, là. Là, c'est la fiesta. On a eu une boule disco. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, attention. Mary a fait péter un autre cadeau légendaire. Excusez-moi, pardon, la foule. Excusez-moi, la foule, j'ouvre. Nous avons eu un dé à lancer. Ok. Je sais pas si ça nous aurait fait un truc spécial ou quoi. Attention, attention! Et c'est la fête, le ballon boule à facette. Allez, allez, allez. Allez, les petits génies, on embarque. Attends, mais mon dé, il sert à quoi, du coup? Vas-y, j'ai lancé mon dé. Ok. Spoon! J'ai eu une spoon! Oh là là, mais vous savez que la spoon, ça me fait vraiment penser à l'ASMR, pour le coup. Pour ceux qui ont regardé un peu mon ASMR, et d'ailleurs, il y en a toujours sur TikTok, mais il faudrait que je refasse. En fait, il faudrait que je me force à en faire au moins 2 fois par semaine. Histoire de quand même continuer ma petite chaîne TikTok ASMR que je kiffais en vrai. En vrai, ma petite chaîne, je la kiffais. Ça dit quoi ici? Récupérer. Satisfait 30 besoins. ASMR rentrée avec les fournitures, j'avoue. J'aime tes idées, Cupidon. ASMR trousse. Il y a de quoi faire en plus, avec les cahiers et tout, il y a de quoi faire. Oh, c'est trop beau, c'est quoi? C'est une laisse. Oh, elle est incroyable. Oh là là, j'adore. Elle est trop belle. Bon, je me la pète un peu, hein, j'avoue. Excusez-moi, j'ai une laisse arc-en-ciel LGBTQ+. Excusez-moi. Excusez-moi, mon chien est un parapluie, pardon. J'adore. Ah bah, il me fallait ça. Essuie tout. Alors moi, je le vois comme un gros rouleau de PQ. Après que j'ai eu une poussette toilette, j'ai un rouleau de PQ. Voilà. Et j'ai une brosse. Bah ça tombe bien pour la rentrée, j'avais pas de brosse. Apparemment mon chien aime les brosses. Je voyais plus moi qui me brosse les cheveux, mais il a l'air d'être conquis. Glormy est content. Glormy est heureux. Non mais on va pas se mentir, la laisse est incroyable. Plus je vais loin, plus ça fait des arcs-en-ciel quoi. Mon chien n'a pas du tout envie de venir, mais du coup ça fait un arc-en-ciel. Voilà. Oh! Une hélice. Mais non. J'ai un ventilateur et je... j'ai le vertige. Eh oh! Eh oh, sortez-moi de là! C'est bon. Me laissez pas là-dedans. Le truc, il allait pas s'arrêter. Moi, je me disais, cool, il va me faire sauter genre de 2 mètres et je vais réatterrir. Non, non. Le truc, il était parti pour s'envoler et voilà. C'est ça. Tu t'envoles. Merci, Mary. Et merci, tenu, bienvenue. Merci pour le follow. Non, c'est bon. Fais attention, là. C'est l'heure de faire dodo. Il est où, le boug? Allez, au lit. Ah bah. Ça squatte un petit peu, ici. Mais bon, c'est normal, c'est la maison des abonnés. On va aller dormir à l'étage, c'est pas grave. De toute façon, il y a des lits partout. Le lit royal. Le lit de prince héritier du trône. Merci Bastos pour ta rose et ton petit cœur d'amour. Merci Vivi pour ta rose. Et on a une petite soif. Oh là là,
C'est beau, ce petit nuage arc-en-ciel. Magnifique. Magnifique. Petite douchette. Ah, ben mon pet n'a pas suivi. Comment il a l'air trop bien. Comment je lui piquerais trop sa baignoire, là. Oh ! Merci. Un ballon. Voilà, préado, hein. Ça grandit vite, ces bêtes-là, hein. En vrai, je crois que j'ai des quoi faire, là. J'ai encore des potions. Je vais donner une petite potion. Dans la famille des barbes à papa, on fait le fou. Tiens, mon petit, je vais te donner une potion. Oula. Garfield. Garfield, j'ai failli te donner une potion, Garfield. Ça, c'est un gros charou, ça. Garfilou, là. Le petit filou, là. Allez, grandis, mon enfant. Deviens un grand glormi. Il est prêt à dos. Il me faut quand même beaucoup de trucs. Ah, ça m'aide à faire mes trucs. Satisfaire les 30 besoins. Acheter un œuf. Foulage d'un néon ou d'un luminous. Avoir un véhicule, je sais pas quoi. Décorer une maison. Bon. Bah écoutez, oula, j'ai un gorille. Oula, un ibis. Quelles sont toutes ces choses qui squattent? Les petits chats d'amour. Merci d'avoir suivi ce petit moment de bonheur. Adopt Me. J'en cherche mes mots, j'en perds mes mots. Merci d'avoir regardé Adopt Me. On va basculer dans le côté obscur de la force. Des bisounettes.